Pasteur Armel Lafleur a quitté gagné pour répondre à la question la justice jeudi 4 janvier 2023 sous outrance à la pudeur que l'État fait en direct ensemble avec petite fille paparette devant parquet Jean commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine t'a prêté tant niant. Eh bien, il écrit une lettre dans même matin 4 janvier pour le faire connaître faut que commissaire gouvernement t'a renvoyé audition ça à la quinzaine pour lui ensemble avec moi nous prêt attendre des déclarations ta le conseil de commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Puis devant nous gagnons Jean-Baden Dubois, qui c'est gouverneur de la Banque centrale, qui déclarait que banque qui a effectué transaction pour moun qui tombait en bas section États-Unis ensemble avec Canada, yo, qui a écopé de yon amende allant 2 millions à 5 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs, nous pourrons jouer plus de détails. N'ayons titre qui pas trop long, alors que sur la frontière reliant Haïti et la République dominicaine, le général Carlos Fernandez Onofre lui-même était en visite hier mardi 3 janvier afin pour être capable de garder qui je travaille à continuer mais aussi pour être capable de remettre environ 9 véhicules qui équipés de GPS ensemble avec caméra afin pour soldats capables de faire travail là correctement après que divers soldats t'a tombé en bas section la justice dominicaine pour abus que t'a arrivé fait ensemble avec pouvoir ça que au gagné. C'est information avec divers sortes qui préfèrent essentielle actualité nous jeudi à. Coucou tout le monde, bienvenue ou sous Info 5, chaîne information là et non pas, c'est Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps. Pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité. Yon famille ou un ami ou abonné à Info 5 pour capable toujours être connecté à bon information. Jeudi à c'est mercredi 4 janvier 2022. Dans la semaine qui s'est passée à la, pasteur Armel Lafleur qui a dirigé l'église La Porte Étroite, n'a une tactique pour tenter faire une formation d'éducation sexuelle, t'a arrivé faire une outrance à la pudeur, ensemble avec petite fille qui c'est Dirty Lafleur, qui c'est une haïtiano-américaine, qui c'est une ingénieure, mesdames et messieurs. D'après déclaration petite fille, pasteur Armel, ça pas dérangé que papa t'a arrivé toucher comme ça puisque lui-même avec papa gen un paquet habitude de ta coup pasteur Armel Lafleur qu'on prend plaisir pour ir les petites li là-bas pour le modèle comment t'étais yo pour petite là préponi papa t'étais yo en forme yo seulement manqué donc genre de conversation ça yo aller vers ça nous capable reler l'inceste ça ancien testament lui-même li pas proscrit et nouveau testament arrivé proscrit qui ça qui inceste c'est avoir des attouchements ou des relations sexuelles ensemble avec yon membre nan famou. Li ka tonton, frère, papa, maman, soeur, depuis ou arrive genye yon relation sexuelle ensemble avec moun sa ou nan famou, c'est inceste. Et ça qui rive ensemble avec pasteur Armel Lafleur, li parle que abus sexuel et inceste en même temps. Malgré petite fille, qui se yon majeur déclaré que Ligue habitude pâle, ligue jouet pâle que l'on fait ensemble avec papa. Et pasteur Armel Lafleur lui-même tout, lui déclare que, dans un témoignage que lui baille, yo le grand frère Tifia te arrivé taper de elle, Tifia te vin pote le plainte, et ben il te déclaré comme quoi, frère pa kal touche derrière Tifi dans la rue, c'est derrière pâle pour le toucher. Donc, c'est comme ça, éducation sexuelle, en fait, la caille pasteur Armel Lafleur. Pas oublier Armel Lafleur pour juste ça que le fait, il est capable d'écoper de 6 mois à 1 an de prison. Et mais pasteur Armel Lafleur, pas aller dans des CPJ, il seulement écrit une lettre pour envoyer audition ça à la quinzaine. Ensemble avec moi, en tant que déclaration, commissaire Jacques Lafontaine, dans le micro, un journaliste, Tripotaille Lakaya, qui était sous place, dans le paquet pour capable suivre Jean audition lui-même, lui t'apprête à dérouler. Cette invitation, cette audience, cette séance d'audition, le pasteur Armel Lafleur, qui est invité à se présenter au parquet, jeudi 4 janvier. Mais malheureusement, arrivé au parquet ce matin, tôt ce matin, j'ai reçu une correspondance de ses avocats, par laquelle il sollicite du parquet le report de cette invitation. D'accord? Et je dis c'est à bon droit. Ils ont produit cette nouvelle. D'accord ?
ils ont motivé de demander parce que, un, l'aide a été brève. Il faut que vous n'avez pas avocat pas disponible. Il faut que moi vous capable de préparer des façons. Donc, nous avons remarqué que son n'est pas vraiment bon, mais il est important pour nous donner des déclarations. Jacques Lafontaine, c'est parce que l'avocat, pasteur Amel Lafleur, lui-même, il n'est pas disponible. C'est ça qui fait que yo écrit parquet pour demander pour le voyer audition. À la quinzaine, sans doute, c'est dans date ça que l'avocat lui-même n'est pas disponible. On continue à donner des déclarations. Commissaire Port-au-Prince, Jacques Lafontaine. Moi, accordé au bon, mais moi, rejeté 15 ans de demander. Je me dis que je vais envoyer une autre invitation par le boulotin, 9. Et le temps, il est même capable de répondre à l'invitation demain et ministère de la culture. Maintenant, il n'a pas de qui ça la loi, 10 ou ça. Article 283 du Code pénal, renforcé par le décret du 6 juillet 2005, et réprimé conformément au monde qui a fait outrage public à la pudeur et qui a touché le monde à mail publiquement. Donc, ce n'est pas vraiment bon. Ben, fait un bref résumé pour nous sous déclaration commissaire Jacques Lafontaine qui râlait article 283 là, qui renforcé par ça en juillet 2005. Là, mesdames et messieurs, côté attouchement ou outrance à la pudeur capable de permettre de passer 6 mois à yon l'année dans prison. Et sous question journaliste, côté au témoin, mais commissaire. Ou ap marcher dans l'église pasteur Amel Lafleur là et mais il t'a fait connait que lui-même li pa yon membre encore dans l'église ça et dans moment il t'a marcher dans l'église là pasteur Amel lui-même li pote ko pasteur en dans l'église là dans époque Jacques Lafontaine lui-même li t'est fidèle dans l'église évangélique la porte étroite qui donc là pasteur Amel gagné jusqu'à lundi pour lui capable paraître devant la justice pour venir répondre question correctement. J'ai bien dit correctement sous outrance à la pudeur ça, sous attouchement ça qui fait là, même si petit li montre que li consenti ensemble avec ça qui passait à la. Kounya là, c'est qui conditionnement que pasteur Amel Lafleur lui-même li baye ti moun yo. C'est qui conditionnement, ok? Qui principe que li baye? Parce que li montre ti moun yo que attouchement yo correct entre frère et soeur, entre maman avec papa, entre maman ensemble avec petite, attouchement yo correct qui éducation sexuelle que pasteur Amel fait ensemble avec 6 petites li yo exactement, c'est ça qui prend le point là. Et ce n'est pas pour la première fois que pasteur Amel lui-même la justice voyait côté lui dit comme ça que faut que renvoyé à la caserne jusqu'à ce que lui pas mette pied. Jusqu'à ce que lui pas mette pied. Dossier Stéphanie Jean-Pierre là pour que j'en fin conclu. Dossier viol dernièrement petite 16 années là, lui pas j'en conclu. Donc imaginez dossier sous propre petite pâle. Donc Amel Lafleur mandé par quelqu'un pour lui capable qu'on qui ça lui pral dit exactement de dossier. Excusez-le ensemble avec public là pas prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, il dit que lui pensait, il connaît que ça l'a fait à lui-même, il est bon parce que il saisit, il est étonné les lois que moun yo fait genre de commentaire sa yo. Ça c'est dossier pasteur Amel Lafleur là, mesdames et messieurs. Puis devant nous gagnons gouverneur Banque Centrale là qui c'est Jean-Baden Dubois, mesdames et messieurs, qui déclarait que banque est capable écoper de yon amende entre 1 million à 5 millions de dollars américains si toutefois, yo effectué n'importe transaction pour yon moun sa yo qui ta sou liste États-Unis à Canada qui tombe en bas sanction. Tanko, Ronnie Célestin, Yuri La Tortue, Joseph Lambert, Jean-Henri Seyan, Laurent Lamotte, Joseph Michel Martelly. Si moun sa yo genye, quoi que ce soit, yo ta vle fè comme transaction, que beti kob yo a en liquide, puis yo capable gérer ça ou gen pour gérer. Et avant nous aller plus loin,
et n'a fort connait que commissaire Jacques Lafontaine lui-même lui déclaré dans parquet jeudi là que yo pral mettre une interdiction de départ sous nom pasteur Armel Lafleur et yo guettant acheminé demande là déjà by immigration qui donc là dossier à son dossier qui vraiment compliqué parce que n'a gagné sur toutes réseaux sociaux là gen moun qui a signé pétition pour capable retirer licence pasteur Armel Lafleur qui gagnait pour passer devant ministère des cultes 5 janvier 2023 a fait pour lui capable répondre question sous action que lui arrivé poser yo mesdames et messieurs et pétition lui même a signé comme quoi yo supposé retirer licence et arrêter pasteur Armel Lafleur si nous capable gain possibilité pour nous relayer comme ça toujours. Donc, question sanction États-Unis ensemble avec Canada, li continue à faire chimel, mesdames et messieurs, puisque banque haïtienne yo même, yo bay le choix a fait pour yon capable gérer situation ça. N'a pas rappelé que Jean-Henri Seyan pas gagné droit pour li capable faire pièce transaction. Yo bloqué contre li déjà en Haïti, qui donc, gagne bagay li pas ka fait. Situation compliquée, situation magome, mesdames et messieurs, sous dossier si là. Cause Haïti à Saint-Domingue, le commandant de l'armée dominicaine, Carlos Fernandez Onofre, visité hier mardi 3 janvier 2023, unité déployée sous frontière. Lancé ça, El Nuevo Diario, République Dominicana, lui-même, lui arrivé, publié et fait connaître que commandant est profité, distribué 9 machines qui équipées de caméras d'enregistrement GPS pour patrouille. Parce que il y a diverses actions qui arrivent posées ensemble avec machine ça yo et policiers. La justice pas de preuve pour arriver mener enquête ta supposé mener. C'est ça que fait désormais yo décidé équiper eh bien machine ça yo de caméra d'enregistrement ensemble avec GPS si toutefois yon bagay ta arrivé à fait pour connaître qui ça qui a passé ensemble avec policier si là et pas oublier eh bien mur électrique qui a construit sous frontière Haïti à République Dominicaine projet ça lui-même li style a continué et gen divers haïtiens qui a travaillé dans projet si là et jusqu'à présent mesdames et messieurs jusqu'à présent pas de membre dans le gouvernement haïtien qui déplacé pour yo capable à vérifier que j'ai projet ça lui-même li a avancé. Pas de monde qui connaît qui j'ai projet ça a avancé sous frontière République Dominicaine ensemble avec Haïti. N'a pas rappelé que tôt du jour là, les 145 goud dans banque centrale et dans la rue, li getan dépassé 150 goud là qui donc inflation lui-même la caloté peuple haïtien de jour en jour, bagayo qui compliquait l'école qui commençait après fonctionner avec uniforme petit à petit, mais bagayo poko capable lancer normalement mesdames et messieurs. On fait coup de pied dans international là. Et bien dans international là, pouvoir Burkina Faso a mandé ambassadeur France là qui c'est Luc Allende pour lui partir selon sa France 24 lui-même lui arrivé déclaré. Selon le Monde FR, Ouagadougou exhorte Paris pour remplacer actuel ambassadeur ça qui pas le bienvenu à Burkina Faso. Donc nous connaît que Ouagadougou lui-même lui c'est capitale Burkina Faso en Afrique qui donc Luc Allende lui pas gain droit encore dans le pays ici là. Et ces derniers temps, nous remarquons que Africains ont décidé tout bon vrai pour faire la France remettre et payer tout ça qui est arrivé prend pour yo. Puis devant nous gagner la République démocratique du Congo qui fait appel ensemble avec l'ambassadrice en France, Madame Isabelle Tchombe, pour malversation financière présumée. Donc, li gagne pour justifier yo déficit de près 2,8 millions d'euros dans le cadre de la vente des passeports et frais de visa. Qui donc là, corruption passeport avec visa, la fait tout côté dans le monde là, bagay yo pas piti du tout. Pas bon côté pâle, président chilien lui-même, Jean Tefel, dans la campagne comme promesse, éliminer titre première dame dans côté. Tout madame président yo qui a passé après elle a gen droit continuer ensemble avec activité professionnelle yo sans yo pa gen pièce obligation pour rattacher yo ensemble avec palais pour rattacher yo ensemble avec président et rattacher yo ensemble avec problème pays ya.
hier 3 janvier 2023, entièrement. Légende football là Pelé lui-même, il était chanté côté Gianni Infantino qui c'est président FIFA a mandé pour 212 pays pour yo chaque la gagne un stade qui pote non Pelé. Cristiano Ronaldo lui-même a signé ensemble avec un club saoudien qui c'est Al Nassr, mesdames et messieurs, pour un total de 242 millions de dollars américains. Cristiano Ronaldo tourne un joueur qui plus cher dans l'histoire du football, alors que Lionel Messi retourne dans l'entraînement Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, et c'est là que nous débutons avec rubrique tout aujourd'hui. Merci d'être que vous like, commentez, partagez, merci d'être que vous invitez une famille ou un ami ou abonnez à Kefosé. Puis vous capable de gagner bonne information. Nous rendez-vous pour la prochaine sortie rubrique. Ça reste bénie, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.